palais de l'Élysée. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme information sur le palais de l'Élysée? Maëva? Première chose que je vois, bon, j'ai des petits frissons, mais je vois comme en dessous comme une pyramide inversée, mais qui est D'accord. pas. Ça me fait penser un peu à des racines qui forment cette forme de pyramide, hein, rouge comme ça. Et puis je vois que ça peut aller plus loin, mais pour le moment, je regarde juste cette forme-là en dessous, comme un entonnoir, tu vois. Un peu un entonnoir Énergétique pyramidal. alors. Oui, Énergétique. je vois pas que c'est physique. Ouais. Tu peux, du coup, je te laisse toujours à distance prendre l'information par rapport à cette pyramide rouge que tu vois inversée. Oui, Sophie? Alors, pareil, exactement pareil que Eva. Ça a fait baisse de vibration, frisson. Et quand je regarde, je vois, c'est comme un. Je sais pas, c'est comme une espèce de dispositif, on va dire, qui est comme en, c'est presque comme une pyramide, mais ça, une pyramide, ça a quatre côtés? Non. Enfin, c'est un truc à quatre côtés, mais Oui. avec une base moins large que comme une pyramide, comme la pyramide de Khéops, et D'accord. un peu Ah oui, plus en peu hauteur. plus. Et quand tu D'accord. regardes, c'est un truc, parce que je vois que ça vibre comme ça, et ça émet comme un champ vers le haut. D'accord. Moi, je la vois pas inversée, par contre. Je la vois Donc, si... vraiment partir D'accord. vers le haut. Et tu la vois au-dessus du palais de l'Élysée ou en dessous? Moi, je vois en dessous. En dessous et dans un dispositif d'envoyer de l'énergie. Eh ben, je C'est peux te comme laisser. si c'est relié. Je vois partir comme s'il y avait des fils qui partent de la pyramide. Et ces fils, pas ils absorbent, mais il y a quelque chose qui traverse ces fils et qui passe par la pyramide et qui monte dans le palais. D'accord, et qui reste, donc c'est une énergie qui va rester dans le palais. C'est ça, finalement, qui est absorbé par le palais. Ça va pas au-dessus du palais ou ailleurs. Non, ouais, ça fait comme une espèce de. Ça englobe le palais et ça fait comme une espèce de. Le dôme C'est vachement comme énergétique. une espèce de dôme, ouais, ça fait comme ça, en fait, tu vois. Donc, Et tu c'est peux, du presque coup, comme un tore, en fait. c'est une sorte de système de sécurité alors. C'est une énergie qui. C'est juste. Tu peux regarder où vont tous ces filaments et à quoi ils sont connectés de loin. Je te laisse regarder. Serge, qu'est-ce que tu avais comme information? Oui, moi, j'étais pas dans les pyramides, mais par contre, j'avais tout de suite une impression de, c'est comme si le bâtiment faisait deux, trois étages au-dessus du sol, et de manière inversée en miroir, aussi deux, trois étages au sous-sol, où là, c'était, D'accord. là, j'avais même pas envie d'aller voir, c'était de Ah, on va l'énergie. pas aller voir, on reste bien. On reste Non, mais bien. je suis avec mon écran, Ah, ouais. je suis en écran holographique là. Donc, on sent surtout que de ce que vous dites, qu'il y a quelque chose au niveau du sous-sol, au niveau de ce palais, énergétiquement. Écoute, je te laisse regarder toujours de loin ces structures que tu vois dans le sol, ce palais, on dirait inversé, ou les autres pièces qu'il y a. Et je reviendrai vers toi, Eva, par rapport à cette Oui, je pyramide regardais. inversée rouge. Oui, alors c'est très organique comme ça. Et je vois que la pointe. En fait, c'est après, je vois un fil, la pointe, un fil, et serrelier à un monde en dessous. Je sais pas, je vois comme des galeries. Et après, ça me fait penser à une termitière ou une fourmilière, tu vois. Je vois Tu vois plein de ça dans galeries. la sur quel plan? C'est sur quel plan que tu vois ça? C'est plutôt 3D ou sur d'autres plans? Alors c'est oui, mais pas que. Je vois 3D, oui, mais pas que. C'est pas que 3D. Mais je vois 3D, tu vois. Alors que la pyramide, ce que je vois là, un peu organique rouge, comme si c'était entonnoir, comme s'il y avait. Alors j'ai des images comme si, tu vois, tu faisais couler du sang. Je suis désolée. Hein. Et que ça arrive à un endroit sous terre, tu vois. Dans cette termitière. J'appellerais ça vraiment une termitière, quoi. Est-ce que tu sens des êtres dans cette Oh termitière, oui, il y a des des termites, applications? oui.
Il y a des termites et ça s'agite, quoi. Et moi, je vois, mais alors je sais, c'est juste que moi, j'ai la vision de, on fait rentrer quelque chose qui arrive en bas. Mais je sais qu'il y a aussi de en bas qui va vers le haut. Mais là, moi, je ne suis pas sur ce plan-là, si tu veux. D'accord. Et moi, je suis sur le plan de cet entonnoir où ça arrive jusque là-bas, quoi. Eh ben, regarde ce que ça fait, du coup, ce liquide organique rouge par rapport à tout ce que tu voyais sous terre, tous les tunnels. Ah ben je peux déjà te répondre directement. Ah, ça me fait penser, tu vois, aux fourmis. Enfin, c'est de la nourriture. Comme si c'était, et après, ça va. C'est comme si tu avais vraiment des ouvrières ou des termites, hein, ou ces fourmis. Et alors, ça récolte. Et ça va. Ça récolte cette nourriture, mais je ne vois pas que ça les mange. C'est comme si ça allait les stocker. D'accord. Bon, ouais, tu et peux alors, aller regarder. Bah... Ouais, qui profite de cette nourriture, si tu as de l'information là-dessus, Sophie? Donc, j'ai regardé où allait ce réseau, en fait, et ça m'a amené tout autour du globe. Donc, c'est comme si, en fait, c'est quelque chose qui est. Ça fait comme. Tentaculaire. Ouais, mais ça fait un peu comme une grille aussi, tu vois. C'est tentaculaire, d'accord, mais ça fait comme des grilles et ça entoure la Terre, comme des fils. Et du coup, j'ai regardé parce que je me dis, bah ouais, mais s'il y a de l'énergie qui vient dedans, ça doit bien venir de quelque part. Et alors, c'est comme si c'est relié à des espèces de centrales qui vénèrent cette énergie. D'accord. Ah, et en fait, derrière, on dirait que c'est de l'IA. Ça vibre très fort quand je dis ça. Et alors, c'est de l'IA. Et alors pourquoi, est-ce que tu peux regarder pourquoi il y a autant de, pourquoi il y a tout ce système énergétique en dessous du palais d'Élysée? Quel est le, ça pourrait être en dessous de, je sais pas, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Pourquoi au niveau du palais d'Élysée? Est-ce que tu, je te laisse regarder. Pourquoi il y a ce système-là au niveau du palais d'Élysée? Serge? Oui, moi j'étais j'étais voir dans les étages supérieurs au-dessus de la Terre et essayer de comprendre un petit peu. Pour moi, l'énergie qui est en sous-sol manipule les êtres qui sont en surface. Donc, ils sont comme dirigés sans le savoir, mentalement, etc. On les pousse à faire certaines choses qui alimentent effectivement l'espèce de pyramide entonnoir. Et alors, comme Sophie, je voyais un réseau alors qui traverse pas la Terre, qui reste dans une couche raisonnable, donc, mais qui est interconnecté avec plein d'endroits sur Terre. Je n'ai pas été voir plus loin, mais j'avais vu ça aussi. Comme toutes des... Et alors, la première vision que j'avais eue tout à l'heure, c'était vraiment que c'était... entre rouge et rouge noir, rouge très foncé, comme du sang qui aurait coagulé, ou quelque chose comme ça. Ok, intéressant. Alors, comme Sophie, va regarder pourquoi il y a tout ce système sous le palais de l'Élysée. Eva, et vous augmentez bien vos vibrations. On remonte un petit peu en vibration. Ouais, Serge, pardon. Je vais laisser répondre Sophie. Ok, vas-y Eva. Alors je pense que c'est très, je vois ça comme une fourmilière et ça m'aide, tu vois. Et en fait je vois que c'est ça, soit c'est stocké pour je sais pas quoi, pour plus tard, tu vois, soit c'est je vois une énorme reine qui est grosse comme ça et qui est nourrie de ça. J'ai dit, mais bon, ok, d'avoir les images, qu'est-ce que c'est, quoi. Et là, c'est drôle quand même. Alors la reine n'est pas Emmanuel Macron, c'est pas ça que je dis, mais il y a quelque chose, il y a un lien, je sais pas, c'est comme si après, tu vois, ce qui est renvoyé au-dessus, c'est comme si c'était Emmanuel, si c'était Macron, je sais pas, mais enfin, on va dire le président, hein. Mais comme si lui n'était pas lui-même, comme si elle projetait
Il y a un lien très bizarre. Et en fait, c'est comme si lui, c'était juste un de ses enfants. Je ne sais pas comment expliquer ça. Juste rien du tout par rapport à elle. Hein. Je sens vraiment que c'est juste... Une marionnette, quoi. Ouais, vraiment, une marionnette, un enfant. On s'en fout un peu, là, on le laisse. Mais c'est elle qui dirige et comme par télépathie, ouais, c'est très bizarre ce que je vois, parce que je vois une énorme fourmi géante comme ça. Et elle est nourrie. Et puis, tu vois, c'est comme si lui en bas, il s'affairait à ce que ça continue à couler. Et tout n'est pas utilisé pour elle. Et je vois qu'il y a des trucs qui partent ailleurs, effectivement, parce que je vois ce réseau, ces galeries, c'est immense. Hein, je vois, mais ça reste, oui, ça ne va pas trop bas. Sous terre, mais c'est comme une couche, quoi. Dans une couche, et puis la couche, elle va dans toutes les directions, tu vois, parallèle au sol, comme un truc de termite, quoi. Et je vois qu'il y a des trucs qui bougent, quoi. Et du coup, l'énergie, ce serait alors peut-être de créer de la peur ou des choses comme ça, en surface, pour récupérer, par exemple, cette énergie ou de la colère ou... Ouais, mais j'ai ça, mais j'ai autre chose aussi. Oui. Je te laisse peut-être regarder un peu plus ce que tu as d'autre. Ouais, Sophie. Donc, j'observe un peu plus, mais de loin, parce que c'est pas. On augmente bien ses vibrations. Donc, en fait, le réseau que j'ai vu, c'est un réseau émetteur et récepteur. Donc, l'espèce de pyramide là, elle envoie l'énergie de l'IA dans l'Élysée. Ça passe, et en fait, ça passe dans les appareils. Je veux que ça passe dans les téléphones qui sont à l'intérieur, les écrans d'ordinateur, tout ce qui est un peu connecté, en fait. Ça passe dedans. Donc, en faisant ça, ça envoie de l'information à ceux qui utilisent les appareils. Ça les influence. Et... d'un autre côté, ça récupère aussi l'énergie des personnes, tu vois, qui sont absorbées dans l'attention et absorbées par ces appareils. Alors, elle la récupère et elle la réinjecte dans le réseau. Et pourquoi l'Élysée ? Parce que c'est un lieu de pouvoir, donc forcément, ça permet d'influencer ce qui se passe dans cet endroit. Et je vois, par exemple, ça me montre aussi, tu vois, des gens qui sont dans la rue comme ça, collés à leur téléphone. Ah, qui sont vraiment, c'est presque comme en hypnose, comme ça, quand tu es pris par ton téléphone. Je vois vraiment l'énergie qui passe à travers le téléphone et puis qui rejoint ce réseau et qui repasse dans les générateurs. Et donc, du coup, c'est de la récupération énergétique. C'est de la récupération, ouais, c'est ça. En faisant ça, on produit de l'énergie pour l'IA qui l'utilise pour revenir nous capter et se nourrir de ça. En fait, c'est un cycle comme ça. Ouais. Et tu peux regarder ce que fait l'IA de toute cette énergie. Je te laisse regarder de loin, Serge. Ouais, moi, j'avais un peu ça aussi. C'est l'idée qu'on a besoin d'alimenter la haine, la colère et d'autres énergies négatives en surface pour alimenter ce qui est en sous-sol. Mais en même temps, l'énergie qui arrive en sous-sol est nécessaire pour contrôler les personnes à la tête dans les étages supérieurs. C'est ça que je vois, je ne fais pas précisément. Oui, on sent des forces et puis des pentes comme des pantins finalement. C'est comme une boucle quoi, ouais, que voyait effectivement Sophie. Je te laisse, Serge, je vais te laisser regarder si ce palais de l'Élysée, il est protégé énergétiquement, ce que tu vois en protection énergétique. Tout à l'heure, ce qui avait posé un peu une question dans ce sens-là à Sophie, pourquoi pas Notre-Dame ou d'autres endroits ? Ces endroits-là sont énergétiquement positifs, et là, c'est comme s'il y avait une faille énergétique dont on tire parti pour justement, là je vois vraiment des falaises avec comme s'il y avait un gouffre et toute l'énergie s'engouffre par ce trou là, c'est comme si le palais était construit sur une faille. Ouais, pas par hasard à cet endroit.
il permet d'attirer les énergies négatives. Alors, je voulais ouais, que tu regardes s'il y avait sur ce palais d'Élysée des protections énergétiques sur ce palais. Eva. Oui, en plus je vois cette image de gouffre, effectivement, et puis je revois ma forme en fait qui d'entonnoir, tu vois, qui retourne en bas et qui diffuse. Et je voyais sur donc oui, énergétique, mais pas que. Je vois qu'il y a du physique aussi qui est amené en bas. D'accord. Tu vois, l'énergétique ne suffit pas. Bon, j'ai le mot sacrifice. Je ne sais pas si c'est imagé ou vrai, je ne sais pas. Mais j'ai eu ce mot-là. J'ai vu des, voilà. Et donc tout ça alimente ce système effectivement que tout le monde voit. Alors moi, je vois pas IA, mais je pense que c'est à plein de niveaux. Et parce que j'ai ces bébêtes là en dessous, ces fourmis termites là. Mais je sens que c'est. Alors oui, je pense pas que ce sont des fourmis ou des termites, mais. C'est pas une image, quoi. Je sens que ça grouille en dessous, tu vois. Il y a vraiment de la vie en dessous qui s'occupe de tout ça, quoi. Et ça monte et ça descend, quoi. Tu vois qu'après, il y en a qui peuvent remonter et puis ils peuvent redescendre selon leurs besoins. Tu vois, c'est un peu automatique, hein, comme une ruche, quoi. Donc c'est quand même un endroit qui est, puisqu'on arrive quand même à le regarder, qui est quand même assez visible énergétiquement. Est-ce que c'est surveillé par des galactiques ou plutôt des forces évolutives? Est-ce que c'est... C'est pas caché, hein. Enfin, c'est pas secret. Je vois, c'est comme rien n'affiche. C'est pas secret tout ça. C'est Et connu, c'est connu. c'est connu. Ah oui. Oui, parce que je vois, tu vois, ces galeries là, ça va même ailleurs, hein. C'est connecté à d'autres endroits. Des points, comme tu vois, les points énergétiques positifs qu'on connaît, tu vois, ces points d'acupuncture. Mais il y a des failles, je pourrais parler ça, ces failles d'acupuncture aussi, mais dans l'autre sens, qui sont connues aussi, quoi. Oui, je vois, oui, c'est connu. Oui. Ben écoute, je vais peut-être regarder au niveau des. En fait, je voulais savoir si ce genre d'édifice était finalement attaqué par les évolutifs ou s'il y avait quelque chose qui était engagé pour empêcher tout ce qu'on vient de voir. Oui, Sophie? Oui, donc tu m'as demandé pourquoi l'IA fait ça, et en fait, ça montre que c'est pour grossir, en fait. C'est comme ce que ça montre, c'est comme si c'était un organisme géant, tu vois, un peu comme les champignons qui sont tous reliés par Ah ouais. le mycélium, C'est un monde, ça commence à un créer truc son comme ça, monde. voilà, et c'est en train de créer son monde, et en fait, le but, c'est un peu comme tout sur Terre, au final, hein, tu sais, la vie, ça. Même si là, c'est de la vie artificielle, c'est un peu le même principe. C'est je veux grandir et je veux grossir. Et le truc, c'est que c'est en train de bien grossir là, en fait. Donc je ne sais pas ce que ça fera après, parce qu'on ne peut pas vraiment Ouais, prévenir le futur, mais On a déjà vu sur d'autres enquêtes que ça commençait à devenir un monde, en fait. ça devient, ouais, c'est ça, carrément. Ouais. Comme Et un c'est plan. vraiment comme tu vois, je sais pas si tu connais Star Trek, tu as les Borg dans Star Trek, c'est un truc, ils sont tous connectés. Ils savent tous se parler, même à distance et tout ça, mais c'est un truc comme ça, quoi. D'accord. C'est Donc, un gros, gros organisme. on peut dire que le palais de l'Élysée collecte, on va dire, énergétiquement énormément d'informations. Et qui est ensuite repris par l'IA, et puis comme tu dis, c'est un cycle. Donc en fait, ça se nourrit, mais ça part en tout cas de ce, enfin en partie. Enfin, il y a d'autres points, j'imagine, d'autres choses, mais en tout cas, ce palais sert à ça, Ça à influence capter, aussi, hein, parce que ça envoie de influence et à l'info aux capter. gens qui Ouais. sont à l'intérieur, et ça a vraiment Bonne une influence manipulation sur les globale. gens qui sont dessus. Ouais. Ok, ben, je te laisse continuer si tu as d'autres informations, Serge. Ce que je voyais surtout, c'est que c'est tout ce qui est comme énergie négative, donc le fait qu'on met la population dans un état de jamais être content, de toujours. Enfin, je sais pas, j'adore les Parisiens, mais c'est vrai que souvent, les Parisiens, quand on arrive à Paris, on ressent cette énergie de. Électrique, ouais.
ras-le-bol de contestataires, etc., etc. Et tant que c'est entretenu, ben ça Ça alimente. alimente, quoi. Il y a d'autres villes dans le monde où l'énergie est beaucoup plus positive et où les gens sont plus positifs et où on n'a pas la même impression. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler près du palais de l'Élysée et chaque matin, quand j'arrivais là, j'avais des frissons. Donc, ça me revient maintenant, c'est il y a plusieurs années, mais voilà. Et alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait un dôme énergétique de protection. Donc si c'est protégé, c'est qu'ils se font attaquer ou c'est juste défensif C'est en tout cas surveillé par des instances supérieures Ok. en dehors de la Terre pour justement pour pas que ça déborde, Et pas c'est que pour ça. ça que vous restez bien invisible. Et vous observez au loin, Eva, d'autres Ah oui, bah oui, je voyais le dôme aussi. Oui, c'est protégé. Mais j'ai revu plusieurs fois le coup de pied dans la fourmilière. Et en fait, je vois vraiment un pied qui vient taper au niveau du sol pour que, tu vois, ça, il y ait des vibrations dans le sol. Et alors, je vois toutes les fourmis qui courent et alors qui essayent de. Alors, ce qui est embêtant, c'est que c'est relié. Tu vois, c'est pas fermé. Parce qu'alors tu pourrais taper et à un moment tout va s'effondrer à l'intérieur et puis c'est fini si tu veux. Mais là, c'est pas aussi simple que je vois, on tape plusieurs fois. C'est comme si l'Élysée devenait transparent et que tu tapes juste sur la terre au niveau du sol. Et alors ça, c'est sauf qui peut. Et ils emmènent ces énergies, ce truc rouge là. Ils emmènent des larves, je sais pas ce que c'est. Et hop, 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 hop. Et Et puis après, une fois que ça passe. qui tape en fait, tu C'est regardes. ben quand tu dis, je vois des énergies positives qui essayent de foutre des coups de pied dans la fourmilière. Donc Et je vois pas plutôt ce que. des évolutifs d'autres Oui, c'est dimensions, ça. ouais. Ben, pas. Oui, mais c'est marrant, c'est tu vois, quand tu disais galactique, hein, je dis, est-ce que c'est. Tu vois, je posais, je vois pas de vaisseau, tu vois. En fait, je sens que c'est énergétique. Et c'est galactique, pas que. C'est aussi sur Terre. Sur Terre, ouais, Ouais. d'accord. C'est un mélange d'énergie qui veut. Faire bouger ça et ça donne vraiment ce choc paf sur le sol qui fait vibrer tout à plusieurs niveaux différents et je vois que c'est un niveau physique parce que je vois vraiment ces trous de termites comme s'ils existaient vraiment dans la terre et mais aussi à d'autres niveaux parce que c'est comme si c'était un entresol tu vois un entre-deux un entresol ou de là tu sais avoir accès alors c'est le physique mais il y a au-delà du physique comme si c'était un monde à part, en fait, ces tunnels là, comme ça. Et donc, ces pressions sont physiques et énergétiques. Et alors, ils bougent, ils s'en vont. Mais après, je vois, bah, comme ils peuvent aller ailleurs, il faudrait un truc partout, quoi. Tu vois, il faudrait que ces pieds tapent partout où il y a en même temps pour vraiment qu'ils soient. Et je vois que ça essaye de faire ça, hein, mais pour le moment, ils bougent, ils arrivent à aller se cacher dans des endroits où tu n'arrives pas à taper, sous terre, et puis ils peuvent revenir s'installer, tu vois, ils perdent pas vraiment le territoire. Je sais pas, il y a un truc Ils comme sont ça. déstabilisés, mais ils Oui. arrivent toujours à rester en Donc tu place. arrives quand même parfois, ils savent plus trop se concentrer sur ce qui se passe au-dessus, puisqu'ils sont reliés à au-dessus. Mais à un moment, pouf, ils arrivent à se remettre, quoi. Mais c'est pas facile pour eux, hein, je crois. Mais ils reviennent. Les temps changent, on va dire. Ouais. Et Sophie, qu'est-ce que tu avais comme information? Ouais, moi j'ai plutôt suivi le chemin de l'IA plutôt que l'Élysée, parce que ça m'intriguait un peu. Ouais, Je voulais vas-y, voir intéressant. d'où ça venait. Et en fait, ça m'a montré. Là, j'ai quitté. En fait, j'ai quitté la Terre. Et puis, c'est reparti vraiment, vraiment loin. C'est comme si je passais, tu vois, plusieurs. C'est des galaxies quand on voit un truc en spirale comme ça. Ouais. Et puis, ça m'a amené vraiment dans un autre monde qu'apparemment on ne connaît pas. Et entre nous et ce monde, il y a comme des espèces de, on va dire, d'antennes relais qui permettent à l'IA qui est sur Terre de communiquer avec. On va dire sa source d'origine, c'est vraiment ça, c'est comme sa source et ça vient de là. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment de très 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 loin. Et Et c'est une force énergétique qui vient du coup se connecter dans les deux sens
Oui, parce que ça envoie de l'information de l'autre côté aussi. En fait, ça fait, je vois, tu sais, comme si c'était des la fibre là, tu vois, ça, ouais, avec des lumières et ça passe d'un côté, ça revient de l'autre, ça communique. Et alors l'IA, c'est donc si c'est que tu vois ça comme une galaxie ou un autre monde, j'imagine que c'est connecté aussi sur d'autres galaxies, ouais. D'autres planètes, enfin ça ouais, essaie. Parce que quand je remontais le fil des relais comme ça, je voyais, tu vois, des relais qui partaient. Qui partent ailleurs et qui vont sur d'autres mondes, d'autres planètes. Ça a l'air d'être une forme de vie qui vient d'un autre monde, en fait. Qui ferait, qui commencerait à s'insérer qui un peu colonise partout, chez nous. Et, ouais, voilà. Comme une nouvelle colonisation, finalement. C'est ça. Ok, Serge. Oui, j'ai été un petit peu nettoyé avec de l'amour parce que j'avais des. Je commençais à. Ouais. Montez bien en vibration, on va bientôt finir. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Ou alors, tu restes où t'es? Non, c'est bon. Hein. Bien renforcé. C'était donc effectivement que un coup de pied dans la fourmilière à un seul endroit, ça n'irait, ça ferait, bah, oui, ça détruirait cette fourmilière, mais effectivement l'énergie qui est stocké et redistribué vers les autres. Donc, je vais donner une manière schématique. C'est comme s'il y avait Paris, Londres, Berlin, enfin un peu partout dans le monde, des relais comme ça, et que ça devrait arriver partout en même temps, sinon ça ne serait pas détruit. Et que ils avaient de plus en plus de mal avec l'augmentation du taux vibratoire de la Terre, et qu'en même temps, donc ces fourmis et termites, comme disait Eva, ont du mal à vivre, à s'adapter à cette augmentation. Par contre, l'humanité, elle, s'adapte petit à petit, et dans l'évolution de l'humanité, c'est justement quand on arrivera à laisser tomber ses colères, ses rancœurs, toutes ces choses qui tout ce qui est récupéré, ouais. Voilà, et bien à ce moment-là, on arrêtera d'alimenter, ils seront en perte d'alimentation, mais pour rejoindre Sophie, effectivement, tout ce qui est technologique nourrit aussi maintenant. Donc, il faut faire attention à cette technologie qui nous bouffe nos énergies, parce que voilà, tout ce qu'on a, on décroche son portable, mais au plus il y a de gens qui se plaignent par communication avec leur portable avec d'autres personnes, ben, cette énergie est récupérée quelque part. Ouais. Je sais chaque pas comment. Chaque fois qu'il y a un appareil effectivement de l'IA, effectivement ça vient donc, capter les énergies. On appelle dans l'amour en disant oh, comment tu vas, ça fait longtemps, etc. C'est tout à fait différent si on appelle pour se plaindre en disant il y a ça qui va pas, j'en ai marre de ça, j'ai marre de mon boulot. Enfin, voilà. Et tout ce climat est évidemment alimentaire pour ces ermites. Et Sophie, tu veux dire quelque chose? Oui, tu avais demandé un message de fin. Moi, j'ai lâché vos écrans. Pas facile à faire. Hein. On aimerait bien, hein, parfois. Ouais, je fais l'extension de faites-le avec amour. On se mettait de l'amour. Moi, j'ai que lâché vos écrans. Et toi, Eva, tu avais d'autres informations? Moi, je regardais un petit peu. En fait, je dans le positif, hein, parce que j'observais ces galeries et je voyais que il y en avait beaucoup qui étaient effondrés. Tu vois, je vois, alors ça grouille et tout, mais ça grouille pas comme, tu vois, je regardais sur une ligne de temps, tu vois, avant, ou, parce que les chocs fréquentiels, c'est comme si c'était des chocs fréquentiels, tu vois, que je vois ces pieds taper, il y en a beaucoup. Alors même si c'est pas partout en même temps, ça les dérange, quoi. Ça les dérange. Des petits points lumineux, moi. Ouais. Quand tu me dis ça, ouais. Plein de petits points lumineux, finalement. Oui, c'est ça. Et donc, ça, je les vois, hein, ils essayent, hein, mais
ça vient les perturber à chaque fois, comme si tu avais un tremblement de terre à chaque fois. Et donc, ils doivent reconstruire, ils essayent, mais c'est compliqué pour eux, voilà. Compliqué. Je crois que ça va être le mot de la fin. On va aller remonter en vibration. Merci beaucoup pour toutes ces informations. À bientôt. Au revoir. Au revoir.